Salut les sneakers addicts. Bon, vous voyez une boîte avec le Jumpman et bien sûr l'Elephant Print ou Simon Gray. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, j'ai réussi à cop la Air Jordan 3 Black Cement avant sa sortie officielle, puisqu'elle sort normalement le 17 février, donc demain. Pour le All-Star Game 2018, mais ils ont fait une sortie secrète le 7 février à 15h23. Et pourquoi? Parce que c'est en 1988 pour ce All-Star Game, donc le 7 février à 15h23, que Michael Jordan marqua ses 40 points et fut élu MVP. Donc arrêtons les blabla, on ouvre la boîte. Bon, elle a rien d'exceptionnel. Boîte typique, là, le papier avec l'Elephant Print. Et on découvre cette magnifique Air Jordan 3 Black Cement. Donc pour les vrais sneakers addicts, les puristes, c'est vraiment une super paire à avoir dans une collection. Voilà. Bon, là, on peut faire un petit porte-clés avec le petit logo Nike Air. Donc la Black Cement. Voilà, magnifique, magnifique paire. Tac. Après, si vous voulez tous les détails sur la Air Jordan 3, j'avais fait une vidéo où j'explique un peu tout sur ma vidéo. Bah, allez la voir, hein, je vous mets le lien. C'est comme ça qu'on dit, je vous mets le lien. Donc vous allez voir ce que j'avais déjà la True Blue, la Air Jordan 3. Trou Blue, donc vous allez voir pour tous les détails. Bon, je vous fais quand même un petit résumé vite fait. Donc sur le talon, la toe box ici, l'Elephant Print. Évidemment à l'arrière le Nike Air hein, et pas le Jumpman, fidèle à l'original le Nike Air. Et c'est à partir de la 3, donc ils ont mis le Jumpman sur la languette. Voilà. Wally Wallou, Air Jordan 3, Black Cement. Super paire. Bon, ben maintenant, j'ai la Black. J'ai la True Blue. Il me manque plus que la White. Voilà. Wally Wallou, faites-vous plaisir. Un petit tour. Voilà, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!